Salut la famille, c'est DJ Hamida, vous êtes sur Rap Punchline. Bang bang. Rap Punchline aujourd'hui avec DJ Hamida. Comme d'habitude, ça va ou quoi? Ça va toi? Tranquillement, nickel, on est là. La dernière promo. Ouais, depuis l'année dernière. La promo pirate. Ouais. Alors, là, cette année, à la BMX Party. Ouais, voilà, 2018. On va changer. C'est ça. Donc, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Je vais te citer les artistes qui sont présents dans ton projet. Ouais. Et il va falloir que tu me les définisses en un mot. Ouais, tu lourd. Vois, et après, on expliquera pourquoi tu choisis ce mot-là. Vas-y. Donc, je vais pas tous te les citer, mais je vais t'en citer quelques-uns. Alors, on va commencer par le premier, facile, LCK. Famille. C'était téléphoné. Ouais. On va pas revenir encore plus longuement là-dessus. On sait très bien que vous collaborez depuis très longtemps. L'artiste. C'est une frappe. Attends que je vérifie ce stat, que je vérifie son CV. C'est mon bébé. Frérot. Donc pareil, ouais. Famille. Landy. Découverte. J'ai bien aimé. J'aime bien le personnage, même son équipe. Super cool. D'accord. Bah justement, comment tu l'as découvert? J'ai découvert via son producteur, Pacat, super cool, et puis on s'est vu sur Saint-Denis, et j'aimais bien ce qu'il faisait, surtout qu'en fait lui à la base c'était quelque chose de plus rap, tu vois, mais son morceau, il était bastonné en club, tu vois, alors que c'est un vrai truc rap, tu vois, le truc en bas de chez moi avec la Squadra. Je ferais voir le plus haut des gratte-ciel, elle me dit arrête de mytho, on connaît dans tous les comicos. Tous les soirs, tu fumes dans ta caisse. Et je lui dis pourquoi pas faire un son club. Donc je voulais l'amener dans mon délire à moi, dans mon atmosphère, et puis ça s'est fait. Et il a kiffé. Franchement, t'as écouté le morceau ou non? Non, j'ai pas eu l'occasion d'écouter. Franchement, il est lourd. Mais Landy, de toute façon, on sait qu'il est capable aussi de chanter, grave. De faire des. C'est un tout-terrain. Des gros refrains. Franchement. On va passer à Sadek. Faire du mal, elle me fait pas mal au crâne. Je voudrais plus que les fans. Avec les drogues et les femmes, moi je suis jamais en panne. Un instant, redescends, je vois pas pourquoi tu chiales. T'as des photos de moi à l'hôtel, c'était mon hologramme. Efficace. J'aime bien ce mec, il est très efficace. C'est-à-dire comment, de la manière dont il vient en studio? Ouais, quand il vient en studio, on s'est vu trois fois. Je suis parti le voir avec You. Il était au studio de You pour l'album de You, je crois que c'était. On s'est revu après chez lui pour une session d'écoute de prod. Et ensuite au studio, et en studio il a plié 102-2 et matinal et tout. Bravo. Ah ouais, matinal, c'est rare pour un rappeur. Ouais, grave. On passe à 4 Cuz Gang. Dis-moi qui osera nous tester, on manie les armes de l'Est. Les histoires s'enchaînent, pourquoi veux-tu qu'on freine? Les rêves grandissent à la freine. Y'a que l'argent dans ma tête, y'a des plafonds à faire pour ça qu'on se lève tôt. Mafiosa. 4 Cuz Gang, donc eux je les ai connus via Factor. Déjà le mot pour les définir. Ah, le mot pour les définir. La dalle. Oh, ils ont la dalle. C'est des petits. Hein. Donc, quand ils sont arrivés au studio, pareil. Hein. Je trouvais que c'était des gens qui avaient la dalle. Quoi. D'accord, mais t'as eu un bon feeling du coup avec eux. Ouais, de ouf. De ouf, de ouf. On va passer à Neige. Neige, c'est un talent de fou, de fou, de fou, de fou. Ouais. Talent, ça serait ça le mot qui le définirait. La plus belle voix là, du R&B français en ce moment. Quoi. Ah, faut peser tes mots, hein, parce que là... Non, pour moi, c'est la plus belle voix du R&B, R&B français. Ok. Non, franchement, je l'ai vu en studio, il n'y a pas d'autotune, tu vois. Et non, franchement, big up à elle et à Hakim d'ailleurs. D'accord. Pour finir, Al-Rima. Wow, c'est un Pokémon, lui. Bah, il saute de partout, poto. Ouais, Pokémon, lui. Pokémon. Ouais, pile. Bah, il est surexcité. Mais il est pas comme ça. Et tu l'as rencontré comment, alors, Al-Rima? Dans une Pokéball. J'étais avec Sacha posé et tout, tac. Et voilà, je l'ai trouvé par terre, je l'ai ramassé sur l'application. Ah ouais. Là, j'ai rencontré via BR, pareil, son producteur qui est un bon pote à moi, je pense que tu connais aussi. Donc voilà.
depuis l'époque de Need Money Game, je connaissais BR et voilà, ça s'est fait comme ça. D'accord. Comment tu choisis un peu les artistes justement qui... Et comment tu fais ta sélection? Parce que chaque année, ça se renouvelle aussi. Ouais, Il y a y a les titulaires, comme on dit. les titulaires, et Hein? puis chaque année, il y a aussi des nouveaux, Les de la nouvelle découvertes. scène, comme Comme Landix, l'on dit, comme Catgus Gang aussi. c'est au niveau des découvertes, tu vois. Et après, je suis quelqu'un qui est beaucoup sur le terrain, donc je regarde un peu ce qui se fait, qu'est-ce qui marche, et qu'est-ce qui me plaît aussi. Donc voilà. D'accord. Ouais. Donc on s'attendait à la collaboration avec Marwalouz, mais Ouais. du coup, elle n'a pas été faite. Donc est-ce que tu peux nous expliquer? Ça n'a pas été fait parce que non seulement je pense pas qu'elle avait d'autres priorités que de poser avec moi, c'est tout. Enfin, voilà. D'accord, donc parce que toi, tu avais fait quand même la démarche de... Bon, ouais, j'ai fait la démarche. En fait, on se connaît depuis très très longtemps et en fait, je pense qu'elle a pas. Elle m'avait envoyé un morceau, je crois, en 2014. Et moi, j'étais à fond dans le rush du truc, j'avais pas pris en compte sa demande. Et après, ouais, c'est son choix. Donc après, je pense qu'elle a dit, ouais, le mec, il m'a pas calculé à l'époque. Donc. D'accord, tu crois que c'est un peu... Bah ouais, après, c'est moi, je m'en fous. C'est un peu le game quoi, tu l'as Hein. pas calculé à un certain moment, donc là elle Ouais. s'est Ouais, il dit. n'y a pas de problème. Elle a le D'accord. droit. Hein. C'est son Ok. droit, elle fait ce qu'elle veut. Mais On va rentrer un autrement, petit voilà. peu dans tes méthodes de travail. Vu que bah, tu es très régulier, tu sors des albums tous les ans. Est-ce que c'est pas compliqué de se renouveler? D'arriver à chaque fois avec un produit frais qui ressemble pas à celui d'avant? C'est un peu compliqué, comme à la fois après mes trucs, ils sont, c'est vraiment stéréotypé, c'est vraiment été, donc ça va encore, mais c'est juste au niveau des sonorités, j'essaie de me mettre à jour, tu vois. Non, mais Mais justement, autrement, comme ça le va. thème général, c'est voilà, c'est Voilà, tu l'été, sais, s'ambiancer, faut c'est juste tout. mettre au niveau des sonorités, faut juste se mettre à jour, je pense. Je veux juste, voilà. Mais autrement, ça va encore. C'est pas comme si c'était un album de rap ou. T'imagines, tu sors chaque année, tu vas pas faire les mêmes trucs, donc ça va encore. Le thème, nous, il est déjà. C'est un peu plus ouvert, On donc ça sait que va. c'est pour ambiancer, C'est ça, quoi. ouais. Donc D'accord, mais voilà. du coup, tu vois, là, tu faisais la comparaison avec un album de rap. Sur combien de temps tu travailles ton album, toi? La première partie de novembre à décembre, c'est tout ce qui est partie instrumentale. On rentre en studio fin décembre jusqu'à avril. Et là, c'est tous les jours midi, 20h en studio du lundi au jeudi. D'accord. Ouais, c'est ça te prend vraiment tout ton temps. Tu fais tes En plus, je faisais instrus. du sport et tout. J'ai tout arrêté ça, merde. Les instrus, du coup, tu participes, tu t'en fais Ouais, toi-même, tu collabores des je fois. collabore souvent aussi. Je collabore souvent avec des mecs de Bruxelles, Salah. Mems, Airtubes, c'est des gars à moi. Et voilà, on s'isole et puis on essaie de faire la bombe de l'été, quoi. Et voilà. D'accord, bah justement, vu qu'on est là-dessus sur les méthodes de travail, comment tu définirais un hit? Pour toi, c'est quoi un hit? Est-ce qu'il y a une recette spéciale? Est-ce que tu sais que si tu mets tel instrument ou si tu mets tel artiste sur Si tel tu mets instru, tel tu sais artiste, que... peut-être, oui. Mais après, tu vois, la musique, ça n'a pas de science, sinon ça serait. À chaque fois, je ferais des bangers, tu vois. Après, c'est le public qui choisit. D'accord, mais tu te dis pas quand tu fais ta compil, tiens, celui-là, je sens que Ouais, plus ou moins. qui va prendre plus. Ouais, plus ou moins, tu vois, plus ou moins. Là, j'ai. Le lundi, j'aime bien. Le Carolina, j'aime bien aussi. Après, je fais une petite séance d'écoute avec les gens extérieurs à moi, en privé. Et. L'artiste, D'accord. j'aime bien aussi, le LSK. Donc ça va, j'ai eu tout juste là, sur tout ce que j'ai balancé, j'ai eu tout juste. D'accord, justement, c'est ce que j'allais en venir là, c'est que tu as balancé le LECK, Ouais. mais là, on est en train de nous dire que tu mises un peu aussi sur le Landi, Ouais. mais c'est pas encore arrivé, donc L'artiste est arrivé aussi. il y a l'artiste qui est sorti là, en Là, il y a plus, 2-3 jours. il y a 2-3 jours, donc là, c'est le dernier extrait Ouais, qui est je me suis fait un sorti. kiff, viens, on sort en semaine. Parce qu'il y avait ma semaine Planète Rap. Je me suis dit, tiens, on va le sortir en semaine. Ça change de le sortir tous les vendredis. En plus, à partir du 15, il y a un tsunami de sorties. J'ai dit, tu sais quoi, on va se mettre avant le tsunami. Donc voilà, donc il n'y a pas spécifiquement de recette de hit, Non. mais voilà, tu nous as dit un petit peu les morceaux que tu sentais bien que. Après, sur mon expérience, j'essaie de calculer qu'est-ce qui va sortir. Ou des fois, qu'est-ce que je fais? Je vais en club entre deux bangers. Quand le morceau n'est pas sorti, je le joue pour voir ce que ça donne auprès des gens. D'accord. Donc voilà. Et voilà, donc c'est comme ça aussi que tu jauges tes morceaux. Des Grave. fois, tu Ouais, les là, passes alors qu'ils sont pas encore le mois sortis. dernier, ouais, déjà tous mes titres communautaires, je sais qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui va prendre. Donc déjà, ouais. Tu vois, déjà rien que le mois dernier, j'ai su que ouais, ça, il faut aller clipper, ça, il faut aller clipper, ça, il faut mettre en avant. D'accord. Je te parle de communautaire, pas grand public. Hein. Ok. Donc, il y a une autre question que je voudrais te poser. Le game de DJ, il est un petit peu restreint, on va dire, en France.
va dire, au niveau d'une notoriété, il n'y en a pas beaucoup qui font des disques d'or comme tu as pu le faire. Je suis seul. Voilà. C'est bien de dire je suis seul. Dites-le un peu, ouais. Après, si moi je vais le dire, tu vas lire sur les commentaires, ouais, il se la pète. Non, on relate que voilà, il n'y a que moi, c'est tout. Mais nous, en tout cas, on a même fait une vidéo quand tu es venu nous remettre. Non, pas, il est derrière toi. Il est posté derrière. Ouais. Merci de nous avoir remis ce disque d'or. Donc, la question, c'était la suivante, c'était, est-ce qu'il y a un son d'un autre DJ qui s'est retrouvé dans la compil d'un autre DJ que tu aurais pu mettre toi dans la tienne? Est-ce qu'il y a un son que tu as kiffé peut-être, tu vois, ou voilà, que ça aurait pu être du DJ Amida, quoi? Ouais, DJ Kim et le CK. C'est quoi le titre? C'était en 2015, je crois. Ah, et tu es sa mère. Aussi, encore DJ Kim, il y avait un Mister You, Khalas. Il était magnifique. T'es mal contact, coup d'œil dans le rétro. J'attache ma ceinture, je veux pas me la péter trop. Donc, l'âge de capote en plus, il fait pas très beau. Il fait que 39 degrés au volant du labo. Pépère, tranquille, j'accélère. Hier, je t'en accélère. Et du coup, là, on a parlé des morceaux sur lesquels t'as misé, sur lesquels tu sens bien. Mais est-ce qu'il y a des morceaux que t'as pas mis, que t'as enregistré, que t'as pas mis? Ouais. Tu peux pas nous dire. Ouais, il y en a avec Saad Lamjarad, donc c'est une pointure au Maroc, tu vois. Je me suis dit que je préfère plus ça faire post-été, tu vois, juste après l'été. Parce que je pense qu'à partir de 2018, là, je vais envoyer au titre par titre tous les 2-3 mois, tu vois. Je vais essayer d'inonder le marché sur toute l'année au lieu d'arriver directement qu'avec un projet pour l'été. Parce que là, avant, ouais, 10 ans en arrière, avec un CD, tu pouvais tirer pendant un an. Faire de la com et tout, mais maintenant la musique va tellement vite que il faut être au top, puis il faut être au niveau, quoi. Donc on va essayer de balancer les petites par titres. C'est pour ça que il y a beaucoup de titres que j'ai pas sortis. D'accord. Bah justement, tu fais super bien les transitions. C'était la question suivante, c'est on en avait parlé lors de la dernière interview. Tu m'avais déjà parlé de faire une compile un peu en hiver, des sons, etc. Est-ce que tu as un peu plus peaufiné justement ce projet de compil? À ce niveau-là, c'est pas compil, ça va être gros single avec gros artistes et se passer tous les trimestres, essayer de sortir un gros son et que ça prenne. Et puis après, on réunit le tout, on rajoute une petite dizaine d'inédits et puis on sort l'album, quoi. D'accord. Donc occuper le terrain sur toute l'année. Un album comme celui-ci. Voilà. Mais voilà, c'est une manière d'occuper le terrain, de sortir des singles. Voilà. Mais est-ce que tu restes vraiment dans ce créneau-là de l'enjaillement, de l'ambiance? Je suis l'enjaillement, je suis un DJ, tu vois. Ouais. Donc voilà. Après, un DJ, tu peux sortir aussi d'autres. Je suis un délire festif, tu vois. Parce qu'on sait que moi, je t'ai connu il y a très longtemps aussi. Ouais, des fois, je faisais des trucs. T'accompagnais des rappeurs, ça kickait dans les freestyles, etc. Mais est-ce que ça te manque pas, ce côté-là? Hier, ça m'a fait plaisir. Et j'ai eu LSK qui est venu, qui a fait un freestyle, et franchement. Il a remis les choses à niveau, quoi. Tu vois, parce que d'habitude, c'est plus festif et tout. Là, il est arrivé, il a kické ça, et j'ai très, très bien aimé. Donc, ouais, c'est vrai que ça me manque aussi. Ouais. D'accord, mais c'est pas dans. Non. Dans les tuyaux encore. Ça vend pas. T'as laissé ça non, ouais. En tant qu'auditeur, quoi. En tant qu'auditeur et par passion, c'est tout. D'accord. Est-ce qu'il y a des clips à venir, du coup? J'ai un clip, tiens, on est en plein tournage de clips avec Neige, déjà aussi. Neige, Sadek, lundi. Carolina, peut-être j'en ai oublié, je sais pas, mais ouais, la pub, ce qui est à venir là, c'est cela là. Je sais que dans ta méthode de travail, généralement, les clips sont déjà tournés. Presque, ouais. Et tu les envoies au fur et à mesure. Ceux que je t'ai dit, sont pas encore tournés. D'accord, donc là, c'est en train de m'en faire. Ouais. T'as pas encore tourné beaucoup de clips pour l'instant? Voilà, si, beaucoup. J'ai fait beaucoup de communautaires. Parce que j'ai une chaîne YouTube, poteau, ils consomment au Maghreb, ils consomment de fou, tu vois. Donc, je me suis dit déjà. C'est une grosse économie d'ailleurs, même l'essentiel de l'été, on peut dire que tu es plutôt au Maghreb. Ouais. C'est une grosse économie, ouais, j'avoue. Mais ça rapporte pas trop d'argent sur YouTube, moi je te le dis. Ouais. C'est des clopinettes, mais après, c'est pas grave, on se rattrape sur les showcases, donc c'est pas un souci. D'accord. Est-ce que tu aurais un mot de la fin? Mot de la fin, big up rap punchline, comme toujours. Hein. Depuis tout le temps, ils sont là et ça fait plaisir. Et puis, Inch'Allah, je reviendrai avec peut-être un disque de platine cette année. Ça, c'est. On t'attend, sûr, et on a une place encore sur le mur. Ouais, on pour va toi. Le mettre là au milieu. Donc voilà. Grosse force à toi, Amida. Pas de soucis.